Horoscope Cancer du 30 mai 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Rien à signaler dans le secteur couple, qui sera placé sous le signe de l'harmonie et de la compréhension mutuelle. Certes, c'est déjà pas mal, même si cette tranquillité sera parfois un peu trop routinière à votre goût. Pensez aux multiples occasions de faire la fête en famille et entre amis pour rompre cette monotonie. Célibataire, Mercure pourrait vous entraîner sur le terrain de l'amitié amoureuse. À défaut de l'âme sœur, la présence chaleureuse de vos amis et de votre famille suffira amplement à vous tenir compagnie. Horoscope Argent. Vous ne manquerez pas de chance et de charme. Tout devrait vous réussir sur le plan financier. Alors, profitez-en pour faire des transactions. Si vous êtes en affaires, ce sera le temps de faire fortune. Ne doutez pas de vos capacités. Horoscope Santé. Quelle résistance. Sous l'impact de Pluton et de Jupiter, vous disposerez de solides réserves énergétiques et d'excellentes capacités de récupération. Si vous avez envie de faire du sport, choisissez de préférence une activité de plein air qui combine effort physique et contact avec la nature, comme la randonnée ou l'équitation. Horoscope Travail. Évitez, pour le moment, les transactions ou les argumentations trop longues, sinon, ne les supportant pas, vous risquez de commettre des erreurs de jugement et d'utiliser des moyens violents pour arriver à vos fins, ce qui n'est certainement pas une bonne solution. Organisez-vous, et vous saurez alors trouver des aides appréciables pour mener à bien vos affaires. Horoscope Famille. Vénus en cet aspect vous promet une ambiance agréable et chaleureuse en famille. Vos enfants se porteront comme un charme, et leur joie de vivre fera plaisir à voir. La tendresse régnera, et vous n'aurez d'autre envie que de les dorloter, de les encourager et de les écouter avec attendrissement vous faire de belles déclarations d'amour. Horoscope Vie sociale. La planète Uranus vous conseillera de modérer votre esprit de critique et de voir le bon côté des gens et des choses. Agissant ainsi, vous aplanirez le chemin devant vous et progresserez mieux dans la voie qui vous intéresse.